Le blocage commence à arriver quand on a un manque de clarté sur le cap que nous devons suivre. Qui je vais devenir dans la prochaine année, dans les prochains mois, quels seront mes temps forts cette semaine? Le manque de clarté, comment je vais y parvenir? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre cette route ou celle-ci? Vous comprenez le manque de clarté, le brouillard. Le programme starter de 5 semaines dont je vous parle, c'est exactement ça. C'est de vous accompagner pendant 5 semaines. D'abord, il est donné, vous verrez l'investissement minuscule. Mais surtout, vous allez rentrer dans vos frais 20 000 fois. Parce que si vous me laissez pendant un mois vous accompagner, vous connaissez mon langage et surtout mon côté direct, j'ai le langage de la vraie vie, pas celle de la télévision où je travaillais avant. Mais je peux vous dire que je vais vous accompagner. Je l'ai fait pour des dizaines de milliers de leaders et d'entrepreneurs, d'étudiants, de salariés, d'entrepreneurs, de grosses entreprises, de petites entreprises. Mais je vais vous aider pendant un mois à développer votre carrière et vos affaires, mais à planifier. Pourquoi ? Pour la clarté. Et quand vous avez de la clarté, vous n'avez pas de mental bloqué. Et la troisième des choses qui provoque un mental bloqué, c'est la projection négative du futur. C'est de vous projeter en permanence dans le futur, mais de façon négative. Et je ne vous souhaite pas de continuer à faire cela. Donc, je répète, qu'est-ce qui provoque ? Il y a beaucoup d'éléments, d'accord ? Je simplifie beaucoup dans cette émission. Mais il y a trois éléments principaux. Combien ? Notez-moi dans les commentaires, combien ? Trois éléments qui déclenchent notamment le mental bloqué. 1, une faible énergie. 2, un manque de clarté mentale sur ce que l'on doit faire, sur qui on est. Manque de clarté sur nous. Le monde, est-ce que nous on doit faire ? Et 3, une projection négative du futur.